like a dream, a separate world. So there was definitely a break there. So I wanted to make it a film, a filmed poem. Je ne sais pas si tu voulais continuer. Non. Est-ce que tu parles de ce basculement d'un monde ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu ressens dans ce basculement et pourquoi l'avoir inscrit dans ce milieu des radios libres ? What do you feel about this shift that you mentioned, and why did you choose to set it in the world of free radios ? Donc on avait commencé sur l'aspect politique du tournant de la rigueur, c'est-à-dire ce moment juste après l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, de l'ouverture d'une parenthèse libérale qui n'était pas censée forcément durer, et on voit bien qu'elle a ouvert elle s'est jamais refermée, elle a ouvert une période. Mais sous l'aspect politique de cette période, on a eu le sentiment de découvrir, à travers la musique notamment de l'époque, à travers ce qui se passe dans l'effervescence des radios pirates qui deviennent des radios libres, l'effervescence des radios libres, un moment qui n'était pas qu'un moment politique, qui était presque plus un moment anthropologique, d'un sentiment. C'est une génération, la génération qui a 20 ans, 1980, qui arrive sur le marché du travail en même temps que le chômage de masse. Et ce qui s'exprime dans la production artistique de l'époque de manière très forte, c'est cette dimension de nos futurs. Et je trouve que ce cri est intact et qu'il n'a fait que gagner en intensité avec les années qui ont passé. Et quand cette génération criait nos futurs à l'époque, aujourd'hui, il me semble que pour moi, ça, c'est encore plus d'actualité. Je crois qu'on est rentré dans une période où effectivement, de la même manière qu'on constate que l'espace est restreint, que nos ressources sont restreintes, de la même manière, le temps, on comprend progressivement, on change notre rapport au temps, et peut-être qu'on va plus s'inscrire dans un temps infini, mais dans un temps qui est peut-être fini. Yes, this political aspect. It's the film starts with this political aspect after the left came into power in France, and then they opened what they call this liberal parenthesis in the liberal world, which really never closed. And through music and through pirate radios that became free radios, there was this film school, and together we tried to work on a film that would depict a world that saw us being born, the 80s, and that turning point, that austerity turning point politically in France at that time, and what became of that world, which seemed to have disappeared, to have become like a dream, a separate world. So there was definitely a break there. So I wanted to make it a film, a filmed poem. Je ne sais pas si tu voulais continuer. Non. Est-ce que tu parles de ce basculement d'un monde ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu ressens dans ce basculement et pourquoi l'avoir inscrit dans ce milieu des radios libres ? What do you feel about this shift that you mentioned, and why did you choose to set it in the world of free radios ? Donc on avait commencé sur l'aspect politique du tournant de la rigueur, c'est-à-dire ce moment juste après l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, de l'ouverture d'une parenthèse libérale qui n'était pas censée forcément durer, et on voit bien qu'elle a ouvert elle s'est jamais refermée, elle a ouvert une période. Mais sous l'aspect politique de cette période, on a eu le sentiment de découvrir, à travers la musique notamment de l'époque, à travers ce qui se passe dans l'effervescence des radios pirates qui deviennent des radios libres, l'effervescence des radios libres, un moment qui n'était pas qu'un moment politique, qui était presque plus un moment anthropologique, d'un sentiment. C'est une génération, la génération qui a 20 ans, 1980, qui arrive sur le marché du travail en même temps que le chômage de masse. Et ce qui s'exprime dans la production artistique de l'époque de manière très forte, c'est cette dimension de nos futurs. Et je trouve que ce cri est intact et qu'il n'a fait que gagner en intensité avec les années qui ont passé. Et quand cette génération criait nos futurs à l'époque, aujourd'hui, il me semble que pour moi, ça, c'est encore plus d'actualité. Je crois qu'on est rentré dans une période où effectivement, de la même manière qu'on constate que l'espace est restreint, que nos ressources sont restreintes, de la même manière, le temps, on comprend progressivement, on change notre rapport au temps, et peut-être qu'on va
on va plus s'inscrire dans un temps infini, mais dans un temps qui est peut-être fini. Yes, this political aspect. It's the film starts with this political aspect after the left came into power in France, and then they opened what they call this liberal parenthesis in the liberal world, which really never closed. And through music and through pirate radios that became free radios, there was this moment that was more anthropological than political, really. This feeling in that generation that was 20 years old in the 80s, with mass unemployment and with that dimension of no future. And today, I feel like that cry, no future, is intact and has intensified. And today, for me, it's even more relevant than it was at the time. And so as space and resources became more scarce, I think time also is becoming more scarce. Pour incarner ces idées, ces envies, ces intentions, tu as choisi trois comédiens absolument remarquables dans le film, Timothée, Marie et Joseph. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, Timothée Robert, Marie Collomb et Joseph Oliven? To embody these ideas, you chose three remarkable actors. Can you tell us more about them? Oui. Effectivement, Timothée Robard, j'avais pu le voir dans le film de Stéphane Battu, Vif Argent. Il fallait trouver quelqu'un qui puisse être à la fois en retrait et en même temps immédiatement magnétique, qu'on puisse comprendre qu'il échappe un peu au regard des autres du groupe, mais qu'il attire en permanence notre regard, notre intérêt. Et Timothée avait cette qualité rare qui fait de lui, je pense, un grand acteur. Marie, je l'ai rencontrée, elle avait cette contradiction immédiatement, à la fois une sorte de fragilité, un ancrage terrien, et en même temps une convocation du cinéma, dans ce que le cinéma de puissance particulière, de rappel de l'histoire des films, de ce qui lui précède. Et Marie, je crois, possède cette magie. Et Joseph, c'était une très belle rencontre. On avait fait passer des auditions d'émissions de radio d'époque. Et Joseph est arrivé avec une proposition d'émission et surtout des propositions de titres. Et cette émission était tout simplement passionnante, enthousiasmante à regarder. Et la justesse des titres nous ont fait comprendre immédiatement que Joseph avait tout compris de ce personnage de Jérôme, voilà, qui incarne le monde d'avant. Timothée Robard, who plays Philippe, I had seen him in the film Burning Ghost, and he has this rare quality of being both shy, a little reserved, and immediately magnetic. You feel drawn to him. Marie Collomb has this very contradictory mix of fragility, and also this very cinematic quality. It feels like she's carrying a bit of a legacy of cinema in her. She has that magic. And in the end, finally, Joseph. We met him when we auditioned. We had an audition for a period radio show. And the way he made it, he was very inventive. And the way he proposed song titles, the way he played it, showed us that it really rang true. It showed us that he had really gotten the character. Avant de vous passer la parole, peut-être une dernière question plus centrée sur la mise en scène. Il y a une scène parmi d'autres absolument remarquable dans le film, c'est cette scène où littéralement Philippe répond à la cassette envoyée par le personnage de Marie Collomb. Il y répond par une sorte de mix, de remix, en direct à la radio. Est-ce que tu peux nous parler de cette séquence et en quoi elle reflète aussi ton travail de metteur en scène sur le film plus généralement ? In terms of directing, there's this incredible scene where Philippe replies to a tape message from Marianne with this sort of live mix that he's doing. So can you tell us about this scene and about your directing in general in the film? Oui, le film est un film sur la prise de parole, sur dans un monde sans futur, comment, pourquoi parler, pourquoi faire des films. Et le film raconte comment le personnage de Philippe progressivement se cherche un langage, se cherche une capacité à parler,
Cette scène est à mi-chemin de son parcours. Il n'est pas encore en mesure de parler avec sa propre voix, ce qu'il fait à la fin. Et donc, il doit inventer un langage qui passe par la technique. Et c'est ce qu'on fait, je crois, quand on fait des films. On invente un langage qui passe par la technique. Cette scène a été effectivement particulière à tourner. C'est un des moments où le son a précédé l'image et le tournage. C'est-à-dire qu'on a commencé l'été avant le tournage avec Samuel Aichoun et Pierre Barriot, donc le mixeur et le monteur son du film. On a fabriqué une petite station radio dans la cave des producteurs avec énormément de matériel analogique qu'on est allé retrouver un peu partout. Et l'idée, c'était déjà de constituer de la matière sonore qui allait nous servir après pour le traitement du son du film, mais aussi c'était d'imaginer justement cette performance. Et donc on l'a d'abord fabriqué d'un point de vue sonore et technologique. Et donc on a regardé le pendulum de Steve Reich, c'est là qu'on a essayé le scratch de cassette, la tasse sur le vinyle, plein de petites inventions comme ça qui allaient nous permettre de pouvoir montrer, dire à l'image ce personnage qui s'invente un langage, qui s'invente une langue et qui lui permet d'exprimer son amour fou. Et voilà. Yes, it's a film to me about finding a way to speak. In a world with no future, why would you speak up? And so Philippe, it's his quest. He's searching for a language, for a way to speak. And when this scene arrives, he's probably halfway in his journey for that. And so he had to invent a language. And first of all, it's a technical language that he has to invent. And so I think when you're making a film, it's the same thing. You're expressing things through technique. And this is one of the rare scenes where sound preceded image. The summer before we shot, we built a small radio station in the basement of the production basement with vintage material. And we had to imagine first how the performance would go. We made it technically first. So we tried out things with a Steve Reich pendulum, the cup on the turntable, and then the scratch on the cassette. And so this is his way of expressing his love. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. Un micro est à votre disposition. Raise your hand if you have a question. Et monsieur après, oui. Merci. On entend, oui. La bande-son est très dense et la musique est très importante dans le film. Et je voulais savoir, au moment de l'écriture, est-ce qu'il y avait certaines musiques qui étaient évidentes, qu'on voulait voir avec les images ou la scène qui allait être tournée, ou est-ce que c'était dans un second temps vous avez décidé d'associer certaines musiques avec les scènes, ou c'était vraiment une évidence pour certaines musiques? So the soundtrack is of course extremely important in the film. Were some of these songs obvious to you from the start, from the writing stage? Did you see the image come to the sound, or did you associate sound to image after shooting? Oui, complètement. Il y avait des musiques qui étaient là dès le début, qui se retrouvent à la fin, comme celle qu'on entend à la toute fin qui s'appelle Middir de Robert Girl, qui est une musique qui date de 1982. Et typiquement, cette musique était là dès le départ comme un repère aussi, c'est-à-dire c'est un peu l'invention du beat qui est déjà mélancolique et en même temps mobilisateur d'une certaine manière. Et ce son était comme un ancrage, comme une sorte de vérité. Il fallait que, d'une certaine manière, tout le film soit dans cette tonalité, puisse intégrer cette musique-là. Et c'est aussi le cas de la plupart des musiques en fait, qui constituent la bande-son, dont par exemple Decades de Joy Division, qui, même dans son texte, c'est comme... le Passenger, par rapport à ce qu'elle symbolise, d'Iggy Pop, et ce qu'elle raconte, la vie moderne est un voyage en voiture,
était là effectivement dès le début et précédait même d'une certaine manière l'écriture du scénario. Yes, definitely. One of the songs, which is Made Dear by Robert Girl, felt like worked like a beacon for me in terms of melancholia and stimulation at the same time. It was like an anchor, like a truth that the whole film had to tune into. And most of the songs worked like this for me, like Decades by Joy Division or The Passenger by Iggy Pop, even in terms of lyrics, what they say in their lyrics. So yes, most of these songs came before the actual scene was shot. Il y avait une autre question ici, monsieur, je crois. Je voudrais vous poser une question pour savoir, comme vous avez écrit donc à plusieurs, comme vous disiez au début, j'aimerais savoir quelles sont les parties qui peuvent être autobiographiques de chacun. To what extent can some parts of the script be autobiographical for you or for co-writers? Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a beaucoup. D'abord, c'était ce qui était très important, c'est que l'ensemble du collectif qui a écrit le film, mais aussi l'ensemble de l'équipe technique qui a fabriqué le film, on est tous de la même génération. C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu cette époque, on y est né, et donc on a un rapport à cette époque qui est un rapport presque de souvenir fantasmé, et ça c'est fortement autobiographique. Ensuite, les éléments proprement dramaturgiques dans le film proviennent plus de ma propre expérience et qui m'importait de mettre dans le film. Yes, there are lots of autobiographical elements. It was very important from the start for us that the whole writing team, but also the whole crew, was of that same generation, born in the early 80s, that so was born in that period of time, but didn't really live it. So what we have of that period is more some fantasy of it. And as for the drama elements, they're more drawn from my own experience. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Bonjour, merci beaucoup pour le film, j'ai énormément aimé. Je voulais vous demander, personnellement, beaucoup des scènes qui m'ont beaucoup touché étaient celles qui se passaient la nuit, elles avaient un éclairage très particulier, etc. Il y avait quand même une opposition entre la nuit, du coup, où les libertés, enfin, les gens, les personnages se libéraient, et le jour où ils étaient un peu plus enfermés dans leur vie. Est-ce que c'était une opposition qui était importante pour vous pendant la rédaction du film? The night scenes, there's a lot of them, and they seem to embody a sort of freedom. And are they intentionally opposed to the day scenes, where the character seems a bit more boxed in? Oui, absolument. Pour le film est à très grande proportion nocturne, et c'était un choix important pour nous parce qu'il avait à voir avec la nuit. On a un autre rapport au son, à la musique. Le son devient plus précis. Et dès le départ, j'avais toujours conçu ce film comme une expérience assez nocturne, effectivement. J'ai un rapport au son intime parce que j'ai perdu un être cher et quand j'étais jeune, et par hasard, je l'avais un peu oublié, et par hasard redécouvert dans une cassette qu'on entend. Et de réentendre la voix d'une personne dont on est séparé depuis longtemps, elle réapparaît immédiatement dans sa présence. Et à ce moment-là, on comprend qu'au fond, le son, c'est un sens extrêmement proche du toucher, parce que ce soit un son en présence, ou un son électrifié, ou un son enregistré, il fonctionne de la même manière par vibration de paquets d'air qui nous touchent physiquement, corporellement. Et cette dimension-là, pour moi, devait trouver quelque part sa place dans le film. Yes, this is definitely for me a film that was mostly going to be shot at night. It was very important because our relationship to sound is very different at night. Sound seems more precise. So it was an experience that I wanted to be more nocturnal. It's because I lost someone dear to me when I was younger, and life went on and I sort of started forgetting about that person, and one day I heard them on the cassette,
And immediately that person reappeared for me through their voice. And in that way, sound is very close to touch. Even when it's a recorded sound, it comes to you through by vibrations of air, and so it touches us really physically. Merci, nous allons devoir arrêter ici. Merci encore, Vincent Maël. Merci infiniment. Et merci Anaïs pour la traduction. Bonne suite de festival à vous.